Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus ce soir? Yes! C'est que Dieu t'a amené ici ce soir, même si tu penses que tu t'es mis dans ton horaire par toi-même, c'est Dieu qui t'a choisi, c'est Dieu qui t'a amené ici, et Dieu veut te parler ce soir. La parole de Dieu parle encore aujourd'hui en 2018 plus que jamais. Son amour est puissant, et Dieu a une parole pour toi. Peu importe ce que tu vis, peu importe la saison que tu vis, Dieu veut te parler ce soir. Et on va avoir un message incroyable, ce sera un bon message, mais juste avant, on va laisser la place à Dieu. Je t'invite à pencher la tête, fermer les yeux avec moi, on va prier pour le message de ce soir. Dieu aujourd'hui te demande, est-ce que tu vas t'abandonner à lui? Est-ce que tu vas t'abandonner à lui? Confessant en guerre. Vous avez déjà vu ça, ce signe-là? Quelqu'un qui fait ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire paix. Et souvent, ça, c'est fait en période de guerre. Pour dire, I surrender. Je m'abandonne. Je résiste plus. Je résiste plus. Oui, Dieu est omniprésent, mais on peut choisir de l'ignorer. Il y en a ici, vous résistez. Vous résistez. Et Dieu t'appelle à t'abandonner à lui. Amen. C'est de pouvoir remercier autrement que par les mots et la prière. C'est encore plus puissant. On ferme nos yeux, on lève nos mains, puis on chante. Puis là, on a juste une présence de Dieu qui est vraiment différente. On nous apprend d'avoir vraiment une relation personnelle avec Dieu, de l'aimer, de louer, de passer du temps avec, d'avoir une foi avec lui. Puis ça, on nous donne les enseignements pour y arriver,